Oh, bichon. Je sais pas, c'est quoi qui t'a vexé? C'est la vidéo qu'on t'a oubliée? T'as pas vu ou... Ben, c'est quoi? Ouais, pourquoi tu... Enfin... Bah, je sais pas, c'est vous là, je sais pas, qu'est-ce qui vous arrive, les gars là? Enfin. Bah, moi ça Vous va, je venez, passe une bonne soirée. vous me sortez des affaires d'il y a 3 mois. Vas-y, hein, on y va. Hein. Non, le nôtre, on s'en fout. Bah, c'est alors juste qu'est-ce le qu'il y a? DNTS. Mais je n'y connais rien, ton DNTS, putain. Yuri Dravanovski, pareil, il connaît Oui, pas. je le connais, mais si, je le connais, D'accord. Yuri Dravanovski, mais j'en connais 3 des Yuri. Tout me dit Yuri. C'est quoi le lien avec Yuri Dravanovski? Yuri Dravanovski est président de la... vice-président de la salle de boxe et je suis vice-président de la salle de boxe. Voilà. Voilà. C'est fou cette accoutumance que vous avez d'être proches tous d'anti-programmes sans jamais bien sûr baigner dedans. C'est vraiment juste des petites relations que vous avez comme ça. Ouais, c'est fou, vous, votre la cloche à faire des liens pour le tout, quoi. Exactement, c'est normal parce que je tiens à ce que tout se passe bien. Ouais. Dommage de le prendre comme ça quand même, monsieur Disco Tenjo. Ça va? Bah Ouais, écoute. pas de soucis. Aïe! Aïe! Putain. Ah! Putain! Ouais, j'ai envie de jouer. Oups. Merde, pilote. Ah, ça va, il court et tout, il va bien. Okay. Ouais, vos commentaires. Costaud. Ah, vous êtes des costauds, les gars. Les commentaires. Vos commentaires, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils vont faire fondre la neige tellement il y a du sel dedans. Ah. Où ça? Ça Oh, y a pas évitera de sel, moi, tout ça. à votre Comme mère Adam? de glisser sur la neige de vos mettre. C'est beau tout ce que vous faites. Venez à l'hangar, venez à la grange. Essayez de vous rapprocher de la grange. Sinon, vous descendez. Ok, vous descendez, vous abattez les personnes dedans. Ah, encore suivi. Mais c'est Venez, marrant ça. venez, 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 venez. Venez, 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 venez. Vas-y, venez, faut que je parle fort parce que. Approchez, monsieur Discordenzo, non? Trois véhicules de votre côté? Voyez devant vous, Oui. bah courez aussi fort que vous êtes bête. Ok. Sinon, bah on vous tire dessus. Pas de soucis. Mais Bonne soirée, monsieur. pourquoi vous êtes aussi expéditif? J'ai une équipe qui se fait rafale. C'est un peu nul ça. Ouais, y'a un roue libre, mais ça sert à rien de faire ça. Bonsoir également à La Tuerie, bonsoir à Robinho, bonsoir à Yoscalin. M'énerve cette mouche là. Voilà, dégage les cheveux. Bonsoir à Valo, bonsoir à Fuida, bonsoir à Takuti, bonsoir à Samuel, bonsoir à tous les BC de France et Navarre. Bonsoir au modérateur Mikey, Benji, Yoscalin, Wizbot, Nightbot, Bootbot, gentiment la livraison le lundi. Salut l'équipe. C'est 30 subs et voilà comment commencer un bon stream avec 40 subs qui tombent, messieurs dames. On se rapproche du stream qui fait peur où je vais. Bravo Smoky. C'est faux Ludo, hein. Je le répète, c'est un débat en fait qu'on a dû avoir 1 million de fois à chaque fois sur cette chaîne et sur toutes les chaînes RP. On a sur Armand, on avait les mêmes soucis, voilà. J'avais pris, vous vous rendez compte, sur Armand, il fallait DL 10 gigas, etc. Il n'y avait pas encore la fibre qu'on connaît maintenant. Et pourtant, on avait 30% de la population qui était venue sur le serveur qui finissait ban. On avait calculé 30% de bannis sur tous les gens qui ont rejoint Nolocha sur Armand. C'est énorme. Sur tous les autres, même sur Red Dead, on était à 10%. Donc non, c'est pas forcément vrai, tu vois. Ça a toujours été comme ça, hein, c'est tout. Shalom, Bobix. Le mec se plaint quand même que vous leur rentriez dedans alors qu'on est plus proche d'une dictature qu'une démocratie. Non, mais il se plaint de choses qui sont sur des petits détails ou sur des choses qui lui plaisent pas alors qu'au final, ils font 1000 fois pire. C'est toujours ça le problème. Et c'est ça qui est dommage, en fait. Ils veulent aller trop loin, ils veulent faire des trucs trop gros tout de suite. Ils veulent taper fort mais pas avoir de répercussions. Souvenez-vous, avec Joséphine, j'avais tempéré pour son premier acte. Mais autant, le deuxième acte, quand elle plante, je veux dire, elle est censée prendre plus qu'une amende pour moi.
Voilà. Faut jouer RP pour l'amour du théâtre. On les a habitués comme ça, ils prennent des streamers pour exemple qui ne sont pas des exemples. Bon, ça, on s'en bat les couilles, ils prennent bien qui ils veulent comme exemple. Moi, ne me prenez pas comme exemple, je suis vulgaire et un fils de pute. Pas vrai, madame Oula ? Moi, pas comprendre toi. Ah bon, bah super. Gus et Charlie, beaucoup n'ont pas compris le sujet. Bah, ah, comprends pas, hein. Comprends pas. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil ? C'est beau ce que tu dis. Oui, mais t'as un BC. Bravo, Malkai ! D'ailleurs, c'était qui a... On va d'abord faire tourner celle de Malkai, hein, parce que il est là, il vient de le dire, donc autant y aller franco, hein, on va faire les choses... On va faire les choses bien pour toi ce soir, Malkai, hein, hein. Regarde, qu'est-ce qui arrive, Malkai. On l'applaudit bien fort, la première skyboulette du soir pour Malkai. Peut-être va-t-il gagner les 50 euros, ou peut-être... Et Smokey, en plus, qui le reply. Quelle bonne idée, Smokey, qui va faire tourner la skyboulette. Bravo, Smokey, quel talent. Allez, c'est parti. Et en plus, Malkai. C'est... Et Malkai qui re-reply son propre truc. Oh là là, il la double. 15 up pour Malkai. On enchaîne avec Smokey Braise. La big win peut-être encore. Peut-être la big win encore une fois. Smokey Braise. Les 10 subs. Bravo. Et donc Malkai qui a rendu baissé. Attention, la deuxième pour Malkai. Ça fait combien? C'est incroyable. Le VIP pour Malkai. Il l'est déjà. On reroll. Malkai qui met les 15 subs sans se poser de questions. Bravo. Smokey qui en doit 10. Et Malkai pour la deuxième live. Et comment ça, Malkai? La deuxième lame. Les 15 subs encore. On l'applaudit bien fort. Bravo, quel talent. Le doublé. Et Smokey qui met les 10 subs. C'est incroyable. Malkai qui va remettre les 15 subs. Les big wins qui n'en finissent pas. Ça tombe. Ça arrive comme ça dans la popoche. C'est incroyable. Bravo, quel talent. Bravo. Quelle chance. Bravo à tous. Il y avait quelqu'un tout à l'heure. Plus jamais je parle dans le chat. Il y avait quelqu'un tout à l'heure qui a dit baisser dans le chat. Est-ce que quelqu'un peut me le dénoncer, s'il vous plaît? Qui était-il? Un modérateur, là. C'était Poppy ou je sais pas quoi, Oupi. Il y avait Pipi dedans. Qui a dit baisser tout à l'heure? Je veux que la délation dans ce chat. Elle est où, la délation? La délation, t'es où? Et Malkai qui met ses 30 subs. Et voilà comment commencer un bon stream. Avec 40 subs qui tombent, messieurs, dames. On se rapproche du stream qui fait peur, où je vais me chier dessus comme une grosse merde. Eh bien, tu fais bien, 4BadX. N'hésite pas. Le gros lot. Dénoncer la tradition française, exactement. Bah, tu pourrais aider un peu, Jack. Hein. La Bretagne qui régale ce soir, exactement. C'est. Oh oui, Brest tous les deux, ouais. Malkai, il faudrait qu'il se rename quand même en BC, je pense. Il le porte bien, il a l'air vraiment de s'en battre les couilles un peu de tout. Hein, donc. Moi aussi, je veux le jackpot. Comment ça, Brecha? Tu veux dire baisser dans le chat? Qui baisser dans le chat, Brecha? Mon tout, t'as les couilles. T'es où, Brecha? Allez, Brecha, montre-nous qui t'es. Avec qui? Avec le capitaine Labino, là? Non, avec votre collègue. Un Mimi? Avec Mimi, voilà. Oh ben, vous savez, Mimi, c'est le problème, c'est qu'il m'apporte des fois des ennuis parce que il fait beaucoup d'harcèlement sexuel. Ah ouais. C'est clairement pas ouf, ça. Les mains au cul, etc. Il arrête. Ah oui, d'accord. Ouais. Pas fiscal. C'est le problème, hein. Alors moi, j'essaie de lui dire, va tirer ton coup, arrête de faire chier tous les mecs. Mais ouais. C'est vrai que les mecs, ils ont tendance à porter plainte, quoi, quand ils se font toucher la table à la longueur de la journée. Logique en soi. Attends, je vais aller voir. Ouais. Hop, j'ai un petit créneau. Ouais. Je dépose. Allez, hop. Bah, c'est sympa, merci, à la prochaine. Pas de soucis, des bisous. Ouais. Quel peuple. Bisous. Ah, on voulait passer. Attends, bonsoir. Dis-moi lequel. Bonsoir. Parce que j'ai signé beaucoup de papiers dernièrement, dis-moi lequel. Il m'a dit bisous, ancien capitaine, là. Il aime toujours Chabite. C'est vrai. Ouais, non, t'es interdit de sub et de don, Ludo, du coup. Tout le monde ne joue pas à Chabite. Toxique. Détoxique.
Merci David Rox, c'est bien vrai ça. C'est quoi qu'ils vont les relâcher? On a plus de cartouches de masque. Ouais. Comme là, vous le savez, la DP va être dissoute d'ici... Un ballast contre les trois. En fait, elle est un ballast après. C'est demain. Grossièrement, elle va être dissoute. Et ils ont plus de matériel pour aller dans le nord, parce que c'était prévu qu'ils n'y soient plus. Ce sera en gros, on récupère tout. Ah bah là, oui. La PD va pas avoir les 4 dissous et la BP est dissoute. Contre justement ce qui a été demandé. Mais ça, jamais ce sera fait. Ils voulaient des cartouches. Des armes, c'est pas possible. Des armes. Oh, non, 3ème carte. Des armes, ils ont déjà looté nos putains de corps. Ils en ont des armes. Ils ont quoi? Oui, ta gueule, toi, avec ça. Fais tes couilles à dire ça. Mais arrête de dire ça, connard. Ça joue trop aux jeux vidéo. Ils ont fouillé eux plus plus. Ils ont fouillé en profondeur, pour. Non, mais. Ils m'ont tout mis jusque dans le fond du trou. Mais non, mais le but, putain, mais soyez pas con. Arrête. Je vais vous en mettre tellement des points de chaîne, les gars, cette semaine. Je vais en rajouter une. Je pense. Je vais essayer d'atteindre le plus gros point, truc de points de chaîne au monde. J'en mets tellement. Tellement. Je sais pas, t'avais un drapeau italien. Mais tu parles pas italien. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord, tu parles à moi. Putain, je croyais que tu parlais. Parce que, en fait, je t'entends en double, en fait. Donc, c'est pour ça, ça me perturbe. Ah, tu m'entends en double ? Ah, tu m'entends en double ? Ouais, je t'entends en double. C'est bizarre, ça. Putain, c'est bizarre, ça. C'est quoi, je croyais même que t'avais un casque en fait dans les oreilles, excuse-moi, pardon. Bah non, j'ai des cheveux dans les oreilles, mais j'ai pas encore, malheureusement. T'as une minute, c'est court parce que là on a même pas fait l'introduction, on en était au casque, au truc et on... Pardon, excuse-moi. C'est dommage, mais bon, on fera ça. Bah bonne continuation. Alors. Ben merci, c'est gentil. Super bon ça, génial, ne change rien. Ah, on est en live sur YouTube. Ah, il y a les cassos qui vont venir, on est en live sur YouTube. C'est pas vrai. Eh ben, enfin que je danse pas, enfin que je dis pas de conneries. Mais pourquoi ? Donc, je vais devoir quitter mon live parce que je suis en live sur YouTube. Mais... voilà, il y a encore le gros bouffon qui vient faire sa merde sur YouTube. La vie de ma mère, j'ai envie de l'enculer. Oh merde, ça partait bien. Et en plus, il est en train de m'entendre, puisqu'il est en train de me filmer, puisque je suis en live. Sur YouTube. Je vais aller l'enculer. Vire-le, tu peux pas le virer. Il va revenir avec plusieurs comptes en fait. Bonsoir. Salut, comment vas-tu? Je vais devoir quitter mon live, je suis en live sur YouTube. Mais je sais, c'est moi qui est venu avec un autre compte. J'étais avec un autre compte en train de te le dire en fait. Sauf que vous m'avez expulsé. Ouais, c'est moi qui t'ai expulsé, Nicolas, c'est toi? Ouais. Ok, mais je vais devoir partir, non, tranquille, après tu leur demandes gentiment de pas te mettre sur YouTube. Ça fait deux fois ou trois fois que je lui dis à ce gadjo de merde. Il me casse les couilles au bout d'un moment. Ouais, mais vraiment. Je les suis, les gars. Franchement, ils sont cool. Et là, je sais qu'on est en direct. Alors, mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi? Il se fait de l'argent sur des. En fait, tu sais qu'à la base, il n'a pas le droit de faire ça. En fait, c'est l'argent qui les traumatise, je vous jure, c'est que des gens qui ont que l'argent en tête. Plus vous vous énervez. Je sais, plus je vais m'énerver et plus justement ça va faire monter le délire. Je sais pas. Ça va faire du buzz, mais normal. Ouais, c'est qu'on buzz, hein. Je pense demain, là, c'est sur 20 minutes, les gars. Exactement. Oh, mais toi, quand je passe sur tes lives aussi, là, je vais te buter, toi. Hein, tu dis plus de bonjour ou tu dis bonjour, salut, ça va, et ça s'arrête sur là. Facebook, Chuck, ça va faire du buzz sur Facebook. J'aime bien ces lunettes, ouais. Overbuzz. À bientôt, Scorpion. Ça peut m'enlève juste en passant. Ouais, Wokfun, c'est ça qui est cool. Parce que j'ai pas envie. Attends, prends aucun normal. Quoi? Je vais quitter Louloucopter, s'il te plaît. Attends, deux minutes. C'est quoi? Vas-y, attends, je me cache, c'est bon. Deux minutes, non mais ils le savent de toute manière ce qu'on fait. Et justement, je vais leur faire un petit coucou à travers la télé. C'est pour ça que j'allume la mienne. Ouais. Attends. Quand il va voir qu'il est pas en live, ça va être désolant, ça. Hein. Je pense que c'est comment qu'il s'appelle, lui, bordel? Je sais plus son blaze. Il te l'écrit, Ryu, ouais, c'est ça, voilà. C'est Ryu.
Non, mais ça c'est la, ça c'est le, ouais. Ça c'est leur page, mais leur page, je l'ai en, je la suis. Je connais pas moi. Je sais mais pas lui c'est Ryu, ce qui s'appelle le Black. Le Black. Et lui, c'est celui qui est dans la cam à l'instant, c'est celui qui va partout. Ils sont plusieurs. Ouais. Ils sont plusieurs. Ils ont que un compte, mais ils sont plusieurs à avoir un compte chacun. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte, le gars? Et là, ils doivent se dire, eh merde, on est démasqués. Comme ils le font à chaque fois, parce que d'habitude, moi, je suis sur leur page. Hein? Et ouais, bah, voilà, je passe plus parce que... le voit en direct. Ils se voient en direct, là, c'est bon? Ils... ils, ont, ils sont en direct là, vous pensez? Leur photo, faut que j'aille, je pense, sur leur page directement. Ouais, je pense aussi, ouais. Je sais plus c'est quoi exactement leur page. Ah merde. Merde. Mm. Parce que je la suis sur le téléphone. Mm-hmm. C'est Ryu. C'est vrai, la cuisse, ouais. Attends. Il est sur le MySpace. Après, ils sont peut-être barrés de, du live. Je vais couper. Hein. Food. Bon, sur ce, bonne soirée. Mais venez avec moi, monsieur Geller. Mais moi, je vais me coucher, moi. Ah merde. Bon, bah, venez, madame. Ouais, enfin, je suis en véhicule avec. Avec ma collègue. Mais en fait, je vous laisse pas trop le choix. Hein. Non, mais elle peut pas conduire. Oui, mais ça, je m'en fous, vous allez venir avec moi. Qu'est-ce que c'est qu'encore cet embrouille, là? Comment ça, quel embrouille? Bah, emmenez-moi, s'il vous plaît. Je vous emmène. Allez, venez. Si vous restez tranquille, il n'y aura pas de problème. Arrêtez de vous braquer comme ça. C'est vous qui causez des problèmes à vouloir vous braquer comme ça. Allez, venez. Ah, vas-y. C'est bon. Speedy, s'il vous plaît, elle peut pas conduire. Allez, montez à l'avant, à l'arrière. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je vous demanderai, pour votre sécurité et la mienne, de ne plus communiquer à la radio ou au téléphone. Ce n'est pas un enlèvement, c'est une question sécuritaire. Oui, ça fait pas du tout enlèvement, effectivement. Écoutez, je suis un agent de l'État. Si vous faites confiance à Mark Walter Anderson, vous me faites confiance. Je ne fais que défendre les intérêts du programme. C'est fou, je n'ai pas l'impression que vous ayez à vous apprécier le bif, là. C'est la façon dont tournent les choses que j'aime pas, messieurs. Ah, ça va pas assez dans votre sens? Non, c'est juste qu'on me demande d'aller à un endroit et que d'un seul coup, je me retrouve dans un véhicule et j'ai l'impression d'être en état d'arrestation. La subtilité, et oui, j'aime je pas sais. Ça. Mais pourquoi vous aimez pas ça? Qu'est-ce que vous aimez pas là-dedans? Qu'on me prenne pour une conne. C'est pas la première fois que ça a dû vous arriver, ça sera sûrement pas la dernière, hein. Toujours taxi. Hein? Vous savez, moi c'est un peu le même principe, j'aime pas qu'on prenne pour un con et pourtant vous nous prenez pour des cons tout ce temps que vous êtes chaque soir. Hein. Comme quoi. On partage peut-être plus de choses que vous ne le pensez. Hein. Non? Tu reportes, frère. Peut-être. Ah, vas-y. Vous allez bouder vas-y. Comme un enfant de 4 ans tout le long du voyage ou vous allez vous ouvrir un peu plus comme une huître ou il faut que je prenne un couteau pour pouvoir l'ouvrir cette huître? Non, c'est juste que je cherche à comprendre ce qui se passe. Hein. On me demande de venir parler, la LSPD veut me voir pour des compléments d'information et je me retrouve à l'arrière d'un véhicule à aller je ne sais où. Excusez-moi, je cherche à comprendre. Mais bah vous allez comprendre. Je pense que c'est humain, non? J'ai mal entendu le mot. Mal entendu que c'est humain, allez descendez. Nous allons parler dans un bureau en dehors du LSPD pour que les gens ne vous voient pas là-bas. On va discuter avec des agents. Allez-y, passez devant. Ouvrez la porte, allez dans le bureau du fond. Ça permet juste de refermer derrière le cas où. Pour la rétro, faites attention, vous n'êtes pas marqué sur le très loin. Allez, venez. Ferme ta gueule! C'est pas toi qui m'as commandé! Arrêtez avec ça, bande de cons. C'est vous, Red 3 qui est sur... Madame, c'est pas le boulevard, là ou... Non, non, c'est Red 5. Je rentre dans... Excusez-moi, je coupe juste la radio. Sur la freeway, c'est vous, là? Planète 3, fin de 10-11. Hop là. Bon, vous avez déjà fait une déposition concernant ce qui s'est passé avec la BP l'autre soir? Oui. D'accord. Apparemment, le procureur vous a également parlé. Oui. Et vous ne savez rien et vous n'avez rien vu. Je pensais plus à ma vie, excusez-moi. Pensez plus à votre vie.
vais vous exposer, nous, la problématique qu'on a. On est d'accord. Donc, j'aurais fini de boire ce merveilleux. Le problème, c'est que votre société, il y a des ressortissants dedans qui sont anti-programme, que vous en fréquentez une tout à l'heure devant le hall d'ailleurs, qui est stigmatisée comme étant une femme proche des anti-programmes de l'époque. Toute la bande de Gus, etc., notamment, c'était une connaissance de ces personnes. Alors, si je peux me permettre, oui. Hein, s'il y a des personnes anti-programme, je n'en ai pas connaissance. Vous n'êtes au courant de rien. On ne peut pas être au courant de tout, même si on n'est pas trop, monsieur. Je ne cherche pas à connaître leur vie privée. Ah, vas-y. Moi, c'est bon. Tout, c'est pour travailler, le reste, je m'en fiche. D'accord, donc vous n'avez aucun ami ici. J'ai des amis, mais... Qui sont vos amis? Mes collègues, en général, c'est des collègues et je cherche pas à connaître leur vie privée. Qui sont vos amis? Oh, j'ai pris! J'ai mal entendu le mot! Je désactive, vous me saoulez, là. Parce que déjà que c'est une porte de prison. Ouais, en fait, en cherchant, j'ai pas trop de noms, donc je dois pas en avoir des masses, en fait. D'antipathique? Oh, les gens pensent ce qu'ils veulent, hein. Moi je m'en fiche. Hein. Si on devait s'arrêter à ce que pensent les gens, on n'irait pas bien loin. Hein. Bah oui, c'est vrai. Enfin, c'est ma vue des choses. Après, je sais pas, vous en avez peut-être une autre. Non, aucunement. Moi aussi, vous savez, je me sens seul. Hein. C'est pas pour autant que j'ai des amis. Moi, mon ami, vous savez qui c'est? C'est le programme. Le programme est mon ami, le programme est ma vie, je lui dédie. Vous savez, vous dédiez peut-être votre vie, je ne sais pas, à des ramènes. Ben voici le programme. Mmh. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si dans un futur proche, vous pouviez peut-être trouver une voie dans votre vie qui serait, en plus de celle des ramènes, être celle du programme. Mais vous voulez en venir où là? Parce que je comprends pas. Vous parlez de ce qui s'est passé, vous parlez de ma vie, vous voulez en venir où en fait? Mais si vous n'avez rien à me dire, si tout ce qui vous est arrivé était était fait malgré vous, c'est ce que vous insinuez. Vous insinuez que vous avez été forcé de le faire. Je l'ai expliqué dans ma déposition, oui. Si vous l'avez lu. Je l'ai lu, je vous pose la question. Il y a quelqu'un? Oui. L'entrée. Je peux rentrer? Oui, allez-y. Vous allez bien? Oui, vous. Bah écoutez, on va voir si tout se passe bien. Oui, bah tout va bien, je suis en train de parler à madame. Très bien. Vous allez bien, madame? On va dire oui. Il faudrait que je te parle quand même après. Qui ça? Non, c'est pas toi, Jojo. Si, moi c'est Jojo. Si, c'est toi, oui, c'est ce qui me semblait. Ouais, attends, on va aller faire part. Attends, madame Dior, viens avec moi. Tu m'as fait douter. Je peux perdre très très vite patience, là, je vous avoue. Oui. Il paraît que c'était pas très très Jojo, comment tu l'as emmené. J'ai un mandat. T'as un mandat contre elle? Oui. D'accord, très bien. Et débarquer comme ça en doutant de la situation, en venant voir si tout se passe bien, est un grand manque de confiance entre nous que j'apprécie très très peu. Bah écoutez, moi je surveille le terrain, je vais être au courant de tout ce qui se passe. Donc certes les capitaines sont pas là, mais je tiens quand même à être informé. Le capitaine n'aurait jamais fait ça. Bah oui, mais le capitaine lui était au courant. Moi on me dit rien, je ne sais pas au courant. Donc je sais que par le passé il y a déjà eu quelques soucis. Non, jamais. D'accord. Ouais. Donc, certes, vous avez un mandat, oui. Mais je veux au moins être tenu au courant que vous avez un mandat et que vous allez discuter avec la personne. Ce que vous discutez ou quoi, je veux bien que ça reste entre la bifle, mais moi je veux au moins être au courant que bah, vous allez discuter avec la personne, que voilà. Je n'ai pas à vous en référer vis-à-vis du contrat de confidentialité que j'ai avec le FSA. Je dois en informer uniquement le capitaine. Oui, mais les capitaines aujourd'hui ne sont pas là. Oui, ben j'en informerai demain, mais je n'ai pas à vous en informer. C'est comme ça, je n'ai pas le droit de le faire. Je n'ai le droit de parler qu'aux deux capitaines, c'est dans mon contrat. Je n'ai pas le droit de vous parler de ce qui est en train de se passer. C'est interdit pour moi. Actuellement, ce bureau ne dépend pas de vous, là, maintenant, à l'instant T. Si je voulais exécuter cette femme dans le bureau, je pourrais le faire. Ce n'est pas ce qui est en train de se passer.
J'étais juste en train de converser avec elle et vous venez une fois de plus de jeter tout le discrédit sur le bifle en intervenant. Alors, c'est je finis. C'est ce qui fait que les gens pensent qu'ils sont intouchables, ce que vous venez de faire. Je vous assure. Votre intervention nuit totalement à ce qu'on est en train de faire. Donc je vous souhaite une bonne soirée parce que ça me fatigue beaucoup. Merci. C'est bon. C'est réglé. Il s'inquiétait parce qu'il vous a pris pour une autre, dis donc. Ouais, bah comme quoi. Comme quoi, il y a vraiment personne qui s'inquiète pour vous. Oui. Bon, c'est pas très grave, ça, vous inquiétez pas. Oui, vous me faites de la peine quand même. Je le vis très bien. Bon. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait repartir sur de bonnes bases tous les deux ? J'ai pas l'impression d'être parti sur des mauvaises. Non, mais bon... Par contre, je serais quand même intéressé de savoir ce que vous voulez exactement. Et pas tourner autour du pot. Si c'est possible.